Hima shababi hima. Hima ure ngidhamana zaho. Usikiri wawe wahadwa daima. GG Bouigny, GG Monnier, GG les enfants, GG Wanadza, GG Wazaza, GG Bakoko, GG Bakiki, GG tout le monde, toujours, mais alors, toujours aussi content de vous retrouver sur les antennes de la télévision pour votre émission 100% Mayotte. Alors cette semaine, on est du côté de Sada et on a rendez-vous avec une très 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 jolie jeune fille qui s'appelle City. Et pourquoi est-ce qu'on a rendez-vous à Sada? Et pourquoi est-ce qu'on a rendez-vous avec City? Parce qu'on va parler des chapeaux. Et pas n'importe quel chapeau. On va parler du chapeau de Sada. Pourquoi le chapeau de Sada existe? Comment il est fabriqué? L'origine? Pourquoi? Comment? On va essayer de tout savoir. Mais pour ça, il faut que City accepte de répondre à notre question. Comment est-ce qu'on fabrique le chapeau de Sada? City dans 100% Mayotte et le chapeau de Sada, attention, c'est tout de suite sur votre petite fenêtre! Il y a normalement un salouva jaune et il est là le salouva jaune. Bonjour City! Patrick. Comment tu vas? Ça va et toi? Est-ce que tu veux bien nous expliquer comment on fabrique le chapeau de Sada? Mais on veut savoir aussi l'origine du chapeau de Sada. On veut savoir d'où ça vient, comment, pourquoi, on veut tout savoir. Tu tombes bien, je suis en train de faire un chapeau de Sada. Fais voir à quoi ça correspond. C'est ça? C'est ça le chapeau de Sada. C'est des feuilles de phénix. C'est quoi le phénix? Le phénix, c'est l'arbre qui fait partie des palmiers. Ouais, c'est un arbre en fait. Oui, donc ça arbre. C'est à base de, c'est de feuilles d'arbre? Oui. On peut voir sur cet arbre? Oui, oui, oui. On y va? Oui, on y va. C'est vrai? Ouais. Tu restes là, Jérôme, ou tu viens avec nous? Ah, tu vas pas répondre, parce que normalement, il te répond que par oui, pardon. Allez, viens, je t'emmène. Mademoiselle, la princesse, elle veut bien se donner... Merci. Titi, oui. Tu vas combien de fois à la campagne pour ramasser le phénix? Une fois par mois. Ah, une fois par mois? Et ça dure combien de temps, la récolte du phénix? Tous les ans. Toute l'année, tu veux dire? Tous les années, tu peux ramasser. Ouais! Alors là, moi je dis chapeau. Là, moi je dis chapeau. On a eu droit, et vous ne pouvez pas le voir évidemment, mais on va vous expliquer. Jérôme, en reculant, vient de tomber. Et c'est du bonheur, mais c'est du bonheur. J'espère que Loïc va le laisser au montage, ça. On y est alors. Et donc c'est ça? C'est ça. Avec ça, on va faire un chapeau de Sada. Mais ton chapeau de Sada ne sera pas blanc. Il sera vert. Ah, donc il faut ramasser et le laisser sécher alors? Oui. En plus, si tu fais sécher ça, ouais, ça va rester vert. Donc ce qu'il faut couper, c'est quoi? C'est le milieu, la feuille qui est tout au milieu de l'arbre. Bon allez, montre-moi. Titi. Attention parce que l'arbre à phénix, là, il a aussi des épines. Ah oui, d'accord, c'est pas des petites épines. Hein. Quand tu prends ça dans le derrière, bonjour madame. Hein. Tiens, regarde. Ah. Allez. On va faire sécher nos feuilles de phénix. On va les mettre à sécher, ouais. Oui. Et après, parce qu'en fait, on a prévu d'autres déjà. On est où exactement ici? À Tahiti Plage. Tahiti Plage, c'est joli comme nom. Pourquoi ça s'appelle comme ça ici? Je sais pas. C'est pas? Non. Et là, il faut les ouvrir maintenant. Comment ça, les ouvrir? Vas-y, prends ton tige. Et où? Tu vas me couper là? Non. Tu veux faire tes chapeaux de Sada? Ben ouais, je vais faire un chapeau de Sada. Et on pourrait faire autre chose aussi, non? Des paniers, des nattes, des tapis de sol, des cache-pots. Et on trouve tout ça à Sada? Oui. Ah, pour ceux qui disent qu'il n'y a rien à Mayotte, il n'y a pas d'artisanat, etc. Non, mais il faut arrêter maintenant avec tout ça. Il faut se donner les moyens de chercher un petit peu, c'est tout quoi. À Sada, il y a tout ce qu'il faut et dans d'autres villages aussi. Il y a des maisons d'artisanat, ben voilà. Il faut faire l'effort d'aller dans les villages, rencontrer les gens. Et voilà le dernier. Tiens, Jérôme, hop. Voilà la présidente, c'est ça? Oui, voilà la présidente. Bonjour, présidente. Bonjour. Quoi? Bisous. Oui. Oh, le bisou.
Ça va bien? Oui, ça va. Vous êtes la présidente? Oui, de l'association? D'art, d'artisanat. Ah! Je m'appelle Bakari Amina. Ah, mais c'est ça le chapeau de Sada? C'est ça le chapeau de Sada. Je peux l'essayer? Oui. Et voilà. Et voilà. Et avec ça, je suis protégée du soleil? Mais les pailles, ça protège aussi des épaules. Parce que si avec le chapeau, ça protégerait que la tête. Moi, j'aimerais savoir l'origine du chapeau de Sada. D'où ça vient? Il vient de Sada, comme on le dit. Si ça, c'est pas de l'information, le chapeau de Sada vient de Sada. On a créé le chapeau pour protéger les pêcheurs quand ils voient la pêche. Est-ce que ça, c'était un chapeau de pêcheur à la base? Oui. Ah. Chapeau de pêcheur et chapeau de cultivateur. J'ai remarqué quelque chose de très bizarre. Regarde, quand on gratte comme ça, quand on cherche, regarde, on voit des trucs comme ça, là. Bon, d'abord, on ramasse les feuilles de phénix, mm-hmm. On les laisse sécher pendant 3 jours. Ok, donc on a ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On enlève de la tige. Alors, une fois qu'on a ramassé toutes ces tiges, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tailler les feuilles. Il faut quoi? Il faut les tailler. Enlever les bouts. Une fois qu'on a coupé toutes ces tiges, mm-hmm. Et qu'on a des morceaux complètement effilés comme ça, oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tresser. Ah, alors là, ça va être compliqué. Explique-moi la manière dont on tresse. Oui. Cathy? 4 à droite, 4. À gauche, 4 et à droite, 4. Oui, gardez bien. Prends. D'accord. Tumbin. Ne m'engueule pas. Hein. Uh-huh. Donc je fais ça, après. 2 en haut, 2 en bas. 2 en haut, 2 en bas. Donc oui. Là, je prends ces deux là. Uh-huh. Comme ça. Premier en bas. Prenez en bas. Oui. Comme ça. Et hop, je passe par-dessus. Non, c'est à gauche premier. Ah, je prends cela alors. Oui, toujours à gauche. Ces deux-là. Oui. Que je passe. Oui. Là, je prends ces deux-là. Là, ici. Là, comme ça. Puis retourne. Élevé à droite. Ici. J'arriverai jamais à faire ça, moi. C'est, le début, il est toujours difficile. Il faut combien de temps pour faire un chapeau de Sada? 3 jours quand on a les matériaux déjà faits. Ah, c'est-à-dire quand on en a les feuilles sèches, etc. Mm-hmm. etc. Pas tressé, quoi. Oui, mais moi, j'arriverai pas, moi, alors. Mm-hmm. Le gouroua, je l'ai fait à mon mari. Comme toutes les femmes le faisaient à leur mari. Et ma mère m'a dit de le faire pour mon mari. Et puis je l'ai fait pour mon mari. Et maintenant, je l'apprends à mes enfants pour que la tradition et le patrimoine de notre commune restent toujours. Kofia, c'est le chapeau. Mais le chapeau de Sada, c'est Gorwa. C'est vous, les Blancs, qui lui avez donné le nom du chapeau de Sada. Combien ça se vend, un chapeau de Sada, un Gorwa? 7 euros. C'est-à-dire 3-4 jours de travail pour 7 euros? Mais c'est ça l'artisanat Mayotte, c'est beaucoup de travail et les gens voient que c'est un petit truc. Alors arrêtez d'être radin un peu. Et achetez le chapeau de Sada. Achetez le chapeau de Sada. Il faut toujours le mettre par-dessus et par-dessous d'eux. D'accord. Et là, comme tu as rajouté, il faut que ça soit tous à la même hauteur. Ouais. Donc tu tires que ceux qui sont en haut. Et là, tu vois, il y en a 3. Mais je t'ai dit, il faut toujours travailler avec 2. Donc, il faut plier le 3e, c'est ça qui fait les bras. Ah. Et on tresse 2, et puis voilà. Quelques heures plus tard, oh, regardez le beau travail que j'ai fait. Alors évidemment, tout ce travail était préparé à l'avance, hein, vous vous en doutez bien. Mais ça, c'est pour le chapeau, ça? Il faut comme ça, ouais. Jusqu'à 5. Il faut 5 longueurs comme ça? Ouais. Une fois qu'on a nos 5 longueurs, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer à coudre. Il faut prendre un à un. C'est-à-dire qu'on prend les bordures? Oh, ce boulot! Donc là, elle est en train de coudre cette partie-là, c'est ça? Oui. Donc en fait, elle va coudre ces espèces de lanières, mm-hmm. tout en rond comme ça? Et agrandir pour faire la forme du chapeau. Alors, présidente.
Bézo. On va passer du creux du chapeau, là où on met la tête, à l'endroit où il va y avoir le rebord, d'accord? Et comment on arrive à faire ça, là, justement? On plie comme elle fait, là. Ouais. Et puis, c'est aussi les pieds qui vont encore travailler. Les pieds? Oui. C'est le plus compliqué, ça? Oui. C'est le plus dur, ça. Pourquoi c'est le plus dur? Parce qu'il faut travailler avec les pieds. Il faut tout le temps qu'au fur et à mesure, tes pieds soient dessus pour qu'ils soient plats. On a bien compris, il faut d'abord ramasser les feuilles de phénix, les faire sécher pendant 3 jours. Au bout de 3 jours, on sort les tiges, enfin en tout cas les feuilles qui sont accrochées aux tiges. Avec ces feuilles, on les effile. Et puis après, c'est du tressage, avec une technique de tressage et également de couture, ce qui est encore en train de faire la présidente. Et au bout du compte, ça donne ce fabuleux chapeau de Sada. Bon, bah écoute, je te rends ton chapeau parce qu'il est vraiment magnifique. Il est à toi, tu l'as fait. Oh, que c'est mignon! Que c'est gentil. Donc ça, c'est le chapeau de 100% Mayotte. Oui. Alors, je garde ce chapeau jusqu'à la fin de l'émission, d'accord? Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Siti? On va aller à l'artisanat parce que là où on expose les chapeaux, il n'y a pas que les chapeaux. Merci beaucoup, présidente. Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Merci d'avoir... Marabanyeng. Ce qui veut dire merci beaucoup. Merci beaucoup. Marabanyeng. Allez, je te fais encore un bisou. Donc là, c'est la maison de l'artisanat. Oui. Donc ici, en fait, si j'ai bien compris, tout le monde peut venir à la maison de l'artisanat pour acheter un chapeau de Sada. Oui. Mais pour être aussi adhérent de l'association. Oui. Et vous pouvez être adhérent ou adhérente de l'association en payant 5 euros à l'année. D'accord. Et ce qui vous donne la possibilité donc de faire partie de l'association, et de fabriquer ces chapeaux de Sada. Et de venir aider ces dames, les fabriquer, et puis pourquoi pas les vendre. Oui. C'est ça? Oui. Et ben alors, qu'est-ce que vous attendez? Hein? Pour venir ici, à Sada, à la maison de l'artisanat. Alors montre-moi tout ce qu'il y a à vendre ici. Des paniers. Ah, celui-là, il est fait en cocotier, alors. Oui. Les nattes. Il est possible d'avoir des chapeaux un peu colorés. Ça, c'est fait comment, ça? Ça, c'est fait avec la teinture, du teinture. Donc, en fait, vous allez teindre certains brins et vous tressez certains brins teints. Mais vous les tressez avant? Oui. Ou vous les... Dès qu'on les retire de la tige. Oui. Et puis, on les teint. Nous, on se retrouve évidemment la semaine prochaine. Et puis, comme d'habitude, vous connaissez le principe de l'émission. Si vous aimez le chapeau de Sada, si vous aimez les paniers de Sada, si vous aimez, bien évidemment, les nattes de Sada, si vous aimez les autres paniers avec des gros brins de Sada, eh bien, n'hésitez pas, dites-le. Mais ne le dites pas en faisant « ça pour sa Mayotte ». Non, mais dites-le fort, très fort, en criant « Allez, bye bye, d'ici là, soyez prudents. Gros bisous. Ciao, ciao. Merci.